Dans le dernier épisode de Prison Architect, on a enfin construit notre premier bloc de cellules. Aujourd'hui, on va l'affiner, faire le bloc juste à côté et rendre tout ça un petit peu plus fonctionnel. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Prison Architect. Alors j'ai des centaines d'heures sur le jeu, mais vos conseils sont toujours les bienvenus. Surtout que, soyons honnêtes, j'ai la fâcheuse habitude de toujours faire les choses un petit peu dans le mauvais ordre. Notamment, là, ce que j'ai fait, enfin, c'est très bien ce que j'ai fait, mais c'est vrai que mettre des détecteurs de métaux, ça aurait pu être pas mal. Peut-être que m'assurer que les cellules marchaient toutes avant d'avoir les prisonniers, ça aurait été pas mal. Bref, vous m'avez donné quelques conseils et je pense que en les mettant en application, on va améliorer tout ça et ce sera beaucoup plus facile de gérer cette prison. Alors, vous aviez plusieurs idées sur ce qui se passait, pourquoi est-ce que là j'avais plein de mecs qui restaient là. Le premier, c'est que tout simplement j'avais déverrouillé le règlement intérieur, mais je n'y étais pas allé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va déverrouiller ça. C'est l'évaluation de qualité de la cellule. Est-ce que ça change quelque chose? Pas sûr. Ah non, je sais, peut-être qu'il y a simplement. Ah, aussi, j'ai 10 aides-soignants, ça devrait être pas mal quand même. Ah, d'ailleurs, j'en ai qui viennent. Est-ce que... Non, maintenant, c'est pas ça. Ok, donc c'est pas l'évaluation de qualité de cellule. Et je sais pas si c'est isolement, parce que ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Est-ce que je peux changer... Ah si, il y a des gars dedans, maintenant. Ah, il y en avait pas au début, du coup, c'est peut-être ça. Alors, vous m'avez tous dit, « Oh, t'es beaucoup trop généreux, fais des trucs plus petits. » Donc, c'est ce qu'on va faire. Toi, on va te déplacer ici. Toi, on va te déplacer là. Et on va en mettre d'autres juste là. Donc voilà, comme ça, on va avoir des cellules qui font 2 sur 1. Ce qui sera déjà pas mal. Après, il va falloir qu'on mette des... Mais il n'y a pas de gardien là-bas? Si, allez. Va falloir qu'on mette des... Ah, mais je l'ai peut-être pas relié. Ah, quel boulet. Connecté. Voilà, tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Tac. Ils arrivent là. Pourquoi est-ce que ça c'est enclos en toi? Toi ça marche pas. Pourquoi toi tu marches pas? Tu dois marcher toi? Toi par des murs et des portes. Huh. C'est pas très très grave, mais normalement ça aurait dû être fonctionnel. Et du coup vous, on vous ramène... attends, vous... Pour l'instant non. Et ils sont en train de se préparer à péter un câble, c'est cool. On m'a également dit que j'avais mis beaucoup trop de psychiatres. Donc j'en ai mis 8, hein, 2, 4, 6, 8. Donc je peux en enlever certains. Mais bon, faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai envie de mettre autre chose à la place déjà? Il me semble que j'avais eu une idée de pièce que je voulais mettre. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est tout ça j'imagine. Je me souviens plus ce que c'était, mais je voulais mettre une autre pièce. Hein, pratique. Je me demande si c'était pas sécurité que je voulais mettre, où je m'étais dit quand même, allez, ça va gérer ici. Ah, je me souviens ce que je voulais mettre. Je m'étais dit que peut-être qu'une infirmerie pour le personnel pourrait être pas mal. Parce que je compte bien sûr mettre une infirmerie pour les prisonniers, mais je me dis que je vais plutôt la mettre par ici. Mais apparemment, le personnel, ouais, vous me disiez, ouais, tous ceux qui se plaignent et tout, qui sont pas contents, vous voyez que là... Il y en a deux qui ont des plaintes sérieuses. Il y a de fortes chances pour que ce soit des mecs qui se sont fait allumer, tout simplement. Genre, il y en a quelques-uns qui ont un peu mal. Et ceci dit, ça y est, eux, ils sont enfin en train d'être chopés. Et ils vont, j'allais dire, être mis là, mais visiblement pas. J'ai 21... J'ai 21 places. J'imagine qu'il y a... Bah non, j'allais dire une première cellule qui est prête de ce côté-là, mais visiblement pas. Est-ce que c'est terminé tout ça? C'est un peu relou le fait que ça garde l'outil de clonage par-dessus d'ailleurs. Ah oui d'ailleurs vous voyez que j'ai mis une clôture, je ne l'ai pas terminée parce que je ne sais pas exactement comment ça sera. Mais bon c'est pas grave, foutu pour foutu, hein. De toute façon j'aurai quelques évasions. C'est pas très très grave, ça me permet de poser des bonnes bases par la suite. Je sais c'est une logique qui n'a aucun sens mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne se refait pas. Mais il y en a encore un autre, je sais vraiment pas d'où ils sortent, ça m'énerve. Du coup, vous savez quoi? On va faire une fouille générale. C'est très 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 chiant. Je trouvais plein de trucs. Et est-ce qu'il n'y a pas des... Je sais pas si... Ouais, rechercher un tunnel. Je peux pas parce que je n'ai pas de chien, je crois. Mais de toute façon, j'ai pas de chenille. Ouais, chenille. Donc de toute façon, ça ne marchera pas. Pourquoi est-ce que là, il y a des trucs à fouiller?
Oh la vache, non, il y a les rondins. Mais il y aura. Bah, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Ah oui, parce qu'il y a moyen sinon de faire genre fouiller le bloc de. Ouais, fouiller le bloc de C, j'aurais dû faire ça. Alors je suis dans le négatif pour l'instant, mais normalement plus pour trop longtemps. Il va falloir que je gère. Oula. Je sais pas si lui il va pouvoir aller assez loin. On va tester. Il va falloir que je gère quelques petites choses, notamment donc l'infirmerie, ouais. Le psy... Tiens, les psys, est-ce que j'ai mis des. Je crois que j'ai mis des horaires. Programme. Ah, pas de créneau horaire. Ok. Modifier le programme. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc. Comment est-ce que ça marche déjà? On a. Salle de conditionnel. Bureau de psychiatre, c'est ça que je voulais. Donc. Mince, c'est à quelle heure? Attends, ce que je veux, c'est. Oh, c'est compliqué. Je... Régime. Je crois que c'est dans les programmes. Donc, c'est à 11h. On va voir. Ah, mais c'est. Ah, oui, non, d'accord, c'est ce qui est en vert. Ok, on va revenir. Consultation. Consultation, 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 consultation. Donc là, ça en fait que 3. Ah. 4. Et il doit m'en rester 4 autres. Ouais, donc j'en ai peut-être un peu trop parce que là, ça veut dire que chaque. Je sais pas à quelle fréquence je dois en faire, mais là, chaque jour, je peux en. Attends, puis j'ai un autre. Ah, oh, j'ai un autre créneau là! Ah oui, attends. 8 fois 2, 16 là, je crois. Ouais, 32. Je peux en faire 32 sur 40. Donc, ils peuvent quasiment passer tous les jours. Donc, c'est sûr que j'en ai trop. Mais bon, je vais les mettre quand même. Je pense qu'on changera ça. Plus tard, quand on aura enlevé certains des bureaux. Ok, là je dois récupérer 63 000 parce que j'ai admis beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisonniers. Je suis désormais à 38, je devrais être à 40, donc déjà là c'est pas. Ah! Ah, oh, et ce truc-là il a enfin arrêté de me mettre le truc cloné. Donc ça veut dire que je crois qu'il a dû terminer tout ce qui était demandé à la base. Comment est-ce qu'il a fait pour s'évader? Déjà. Quelqu'un va le chercher lui ou comment ça se passe? Non, très bien, super. Cool. Donc il y a des évasions, mais bon, écoutez, je c'est pas étonnant, donc c'est pas grave. Enfin si, enfin bref, vous m'avez compris. Hop, là, eux, je vais en rajouter d'autres du personnel, des aides-soignants. Je pense que je vais en mettre un pour deux, au moins pour l'instant. Voilà, comme ça, ils vont vite se faire choper, au moins. Ils vont vite être amenés. Ok. Donc là, juste pour voir, je suis à combien en flux? Si j'ai pas mes exportations, je suis à moins 700. Moins 700, franchement, ça passe. C'est vraiment pas énorme. Programme de réhabilitation qui me coûte de l'argent. Ouais, nourriture. Ah oui, c'est vrai que la nourriture du personnel, ça rajoute beaucoup. Salaire du personnel, ouais. Administrateur, gardien. Oui, ok. Mais c'est pas possible. Oh là là. Trois évasions. Ouais, donc bon, je sais, hein, c'est parce que j'ai pas de truc autour. Ça va venir, mais bon, pour l'instant. Enfin, ça viendra. Cette porte-là, je veux qu'elle reste ouverte. Voilà. D'ailleurs, du coup, cette porte-là aussi. En fait, ça, c'est des portes qui sont pas nécessaires, mais qui aide à. Si jamais il y a un problème, je peux tout verrouiller et ça aide beaucoup à ce moment-là. Ensuite, du coup, on va enfin ajouter les détecteurs. On va en ajouter un peu partout des détecteurs. Oula, qu'est-ce que. Sinon, à part ça, on n'est pas. On a encore un mec qui s'enfuit, mais je sais pas comment ils font pour popper au milieu de nulle part. Ou alors, ça doit être les tunnels. Ça doit être les tunnels, il me faut ce chenil qu'on va poser. Je ne sais où. Je ne sais trop où. Et également, j'ai de l'argent au ras, donc on va acheter ce bout de terrain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours un lag, voilà. Parce que comme ça, on va pouvoir étendre ça et faire le tour. Alors, je sais pas si je pense que je vais juste mettre ce bloc-là, un autre ici, peut-être un autre là. Je vais pas mettre 1 million de blocs non plus. Ce qui veut dire que, hop. Les clôtures, je sais que je. Au moins pour l'instant. 3, 4, 5. Je peux la mettre ici. Alors, pendant que toute la clôture se fait, on va démonter tout ce qu'il y a ici. Étant donné que on change tout ça. Ça va plus être cantine, etc. etc. Hop, on va. Non, ça on va le laisser, tu vois. C'est quoi? Hop.
ça va devenir le centre de sécurité, même si c'est un peu... Oh, je sais pas si c'est étonnant que ce soit posé là. Peut-être que le centre de sécurité, je devrais le mettre au centre. Mais bon, en attendant, on va le poser ici. En attendant d'avoir le centre d'identifier. Parce que je peux, à la limite, mettre ça, faire une autre, faire exactement la même aile là. Mais ça va faire un truc très en longueur. Moi, j'aimerais bien faire un truc asymétrique et en fait avoir une prison comme ça et qui dépasse par ici. Parce que ici, notamment, je vais mettre tout le parking pour les visiteurs. Finalement, ça, c'est le parking pour le staff. Et eux, ils peuvent toujours pas avoir de cellule. Mais c'est fou, ça. J'ai autant de mecs que ça en... Bah non, je comprends pas. Pourquoi est-ce que toi, t'as besoin... Je comprends pas pourquoi t'as... Je comprends pas. C'est insupportable. Pourtant, j'ai désactivé hein, tout ce qui est... qualité de la cellule. Donc, à part ça, vraiment, je vois pas. Hein, parce que isolement, c'est fait. Ça, je vais l'enlever. Peut-être que c'est un... Non, c'est pas un problème avec ça. Je comprends pas. Ah, est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir l'avoir ? Voilà, ce mec-là, cette fois-ci, il se fait choper parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Ce mec-là, par contre, va pouvoir parce que j'ai pas encore terminé à ce niveau-là. Et ouais, le chenil... Bah, vous savez quoi, ça, c'est parfait, on va le transformer en chenil. Hop, qui est là. Hop, il nous faut entourer par des murs et des portes. Ah, j'ai pas mis de porte, là. Oh, faut chier. Bon, maintenant qu'il y a le chenil, parce que j'ai toujours des mecs qui continuent de se barrer, c'est insupportable. Un maître chien. Voilà, on en prend 4. Et dans le déploiement, on peut mettre du coup... on va faire des patrouilles de chiens. Ah oui, non, faut d'abord que je mette la patrouille et après je mettrai qui je veux dessus, c'est ça. Hein. Ouais. Mais bon, on va faire le tour de la prison. Tout ça pour pouvoir détecter du coup des tunnels. Voilà, j'ai mes chiens qui se baladent, on va voir si on détecte quelque chose. Donc ça, c'est pour détecter les tunnels. Alors c'est cool, ils se sont tous mis au même endroit, hein, super utile, mais bon. Mais... Qui se barre aussi d'ici, visiblement. 5 évasions aujourd'hui. Non, non, on est sur des bons scores. Mais en même temps, si eux, ils pouvaient aller dans leur... Putain... Ah oui, il faut le psychologue. Ouais, ça, il faut qu'il termine ça. Tiens, terminez-moi ça. Ah oui, non, d'accord, il faut qu'il termine tout. Terminez-moi ça. Parce que je vais mettre un psychologue ici, je pense que ce sera bien. Et achèvement de subvention, j'ai engagé un psychologue. Alors, il n'a pas de bureau, mais visiblement, ça ne m'empêche pas d'obtenir la subvention. Paf, voilà, on est content. Ok. On va sans doute étendre l'infirmerie, du coup, ici. Je me dis que ce sera parfait. Donc, maintenant que j'ai un psychologue, voyons. Ah, ok, d'accord. Donc, les besoins. Besoin du personnel. Ils ont quoi, déjà ? Critique, beaucoup besoin de repos... Récréation... Ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, beaucoup de repos. Donc, je pense que j'ai besoin d'en engager plus, mais en même temps, je suis déjà dans le négatif. Hein. Sans les exportations, je suis dans la merde. Donc, on verra. Besoin des prisonniers, maintenant. Ça, c'est quoi? Actif, ouais, sommeil, ils sont tous en train de dormir. Hygiène, ouais, ce sera bon demain. Les besoins, c'est bon. Famille, ouais, va falloir qu'on s'en occupe. Confort, environnement... Ok. Très, très bien. Bon, et eh ben ouais, c'est pas ouf. Mais ceci dit, ça n'explique pas le fait que eux ils soient coincés ici. Surtout que là, ça me dit bien que j'ai capacité raisonnable maximale 40. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se voir attribuer de cellules alors que clairement ils correspondent aux critères. C'est des aliénés, là. Il n'y a que des trucs pour aliénés. C'est incompréhensible. Et c'est pas le... Ceux qui pensaient que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de cellules d'isolement. Comme vous le voyez, là, il y en a 4 de dispo. De l'autre côté, les 4 sont dispo aussi, donc ça peut pas être ça. C'est juste... Enfin, c'est trop bizarre. Alors, je vais prendre une armurerie que je vais poser ici. Ah non, attends, elle a besoin d'être beaucoup plus grande. Et ben, on va poser... C'est quoi l'armurerie? Ce sera ça. Râtelier d'armes, paf. Il faut une table, on va mettre une petite table. Okay. Ah voilà, râtelier d'armes. Oh la vache. Ok. Ce n'est pas assez grand en fait. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Une petite table ici. Très bien. Et du coup, je vais juste me prendre deux
Gardien armé. Dès que je pourrai. Comme ça, juste pour pouvoir valider ça. Habitation par habitation, ça viendra après. Voilà, ça c'est fait. Donc en gros, j'ai fait ici une patrouille avec deux gardes armés, deux aides-soignants. J'espère que ça va un petit peu aider. Et je suis également en train de vider tout ça d'arbres. Je me dis que c'est assez logique. Et comme ça, on va avoir plus d'argent aussi. Ok, maintenant quelque chose d'important, ça va être les caméras. Genre, on va commencer à en poser là. Et pour l'instant, en tout cas, on va mettre la pièce de sécurité ici. Alors, maintenant, on va connecter cette caméra à ce moniteur. Et je peux en avoir 8. Donc, du coup... je vois exactement la zone qui est révélée. Donc arrêtez de venir ici, les aides-soignants et tout. Oh, ça me révèle tout ça, j'ai l'impression. C'est pas mal du tout. Ok, donc c'est pas mal un truc là. Pour l'instant, je pense que j'y passerai par la suite, mais pour l'instant, je ne vais pas en mettre dans les cellules de d'isolement. Sans doute une erreur, hein, mais... Hop. Tac. Ok. On commence déjà comme ça. Là, j'imagine qu'il faudrait que j'en mette un. Tac. Alors, subvention en plus, là, avec des trucs de sécurité. Ils m'ont demandé de mettre des caméras. Il se trouve que je les avais déjà mises, de toute façon. Là, j'en ai quoi? 2, 4, 5, 6, 7. Donc, je peux encore mettre une huitième dans ce bloc-là et rester sur un seul moniteur, ce qui serait quand même relativement idéal. Ensuite, un seul repas de faible quantité. Donc, ça, c'est dans le règlement. Donc, faible... Ok, donc là, je mets faible. Là, je mets faible. Pendant 2 jours. Donc, ça, c'est juste le temps de valider ça. Donc, ça va pas me coûter très cher. Ça, c'est l'avantage. Et après, il faudra que je fasse quantité et variété importante. Donc j'aurais peut-être dû commencer par ça. Non, ce sera après. Jusque là, je me dis qu'ils vont gueuler, alors qu'avant peut-être qu'ils auraient été contents, puis après pas contents. On verra. Ah oui, les salles de classe, il faut que je m'en occupe. Alors, on n'a pas besoin de tous ces psychiatres, hein, on l'a vu. Ce qu'on va faire... Alors, on a vu qu'on n'avait pas besoin de tous ces psychiatres, on va juste en garder 4. Toi, entrepôt, toi, là, tac, tac, voilà. Là, on en a gardé 4. Et du coup, on va diviser en deux, enfin, hop, diviser par deux certains, bah tous ces trucs. D'ailleurs, finalement, c'est bien qu'on les ait disposés comme ça, par deux, plus ou moins. Et on va casser certains des objets, parce que, en plus, j'ai pas mal d'autres trucs dispo. Vous voyez que j'ai tous les objets spéciaux, je sais pas pourquoi il me fait ça, le test de recharge, le tableau basculant, le mannequin, etc., etc. Donc c'est cool, on va pouvoir poser ça. Et du coup, ça va relativement vite, finalement, regardez ça, les tout ce qui est mannequin, test de recharge et tout, c'est bon, tout est débloqué, comme je vous le disais. Donc c'est posé, et on est pas mal. Alors là, ils ont pas de lumière, bizarrement, il faudra que j'en rajoute, mais sinon, on a tout ça de près, 1, 2, 3... Alors j'ai laissé passer pas mal de temps, vous voyez que je suis à jour 25, je sais pas à quel jour j'étais avant, mais je... pense peut-être 23 ou voire encore moins. Quelques petits changements esthétiquement. Là, je suis en train de changer. Tiens, on va juste faire ça. Et ici, c'est pas passé, tiens. Hop. On va faire ça. Et toi, pour l'instant, on va juste casser ça ici. Je sais pas encore ce que je vais faire de cet espace-là. Ah, ils sont en train d'installer tous les sols. Ça, c'est super. Vous voyez que j'ai commencé à mettre pas mal de sol. J'ai commencé à vachement nettoyer cet espace ici. Là, l'espace entre les deux, qui est un peu large, hein, je me dis, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, ce sera vraiment le no man's land, il n'y a absolument rien. Et vous avez, enfin, voilà, les prisonniers n'ont pas intérêt à sortir par là, sinon ils vont se faire choper. D'ailleurs, je vais peut-être faire des patrouilles de chiens, quoique j'ai les patrouilles de chiens à l'intérieur. Et je me suis posé une question... Ouais, non. Je me suis posé une question si eux, peut-être, c'était juste qu'ils n'étaient pas aliénés parce qu'ils avaient fait quelque chose et ils étaient passés en orange ou quelque chose. Et non, non, ils sont toujours aliénés. Et comme vous voyez, je comprends pas parce qu'il n'y en a que 2 là. Mais si je viens ici, maintenant, il y en a 8 qui peuvent pas se faire attribuer de cellules. Je ne comprends vraiment pas. Surtout que je suis allé regarder un peu les cellules. Et elles se ressemblent toutes.
Même, genre celle-là, je crois que c'est une cellule qui n'a personne à titrer. Je sais pas si on peut le voir, ça. Non. Et bah, pourquoi? Je ne sais pas. Elle ressemble vraiment aux autres. Est-ce que je peux mettre quelques petits objets, genre, je sais qu'on peut mettre les... Avant, il y avait les petites bibliothèques, ouais, elles sont toujours là. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a les étagères à livres, il y a les... Ah ouais, non, non, on va faire juste une étagère à livres. Genre, on va chacun leur donner ça. Et parce que ça va augmenter un peu le niveau. Et alors ça, comment est-ce qu'on peut le voir? Je crois que c'est dans le logistique. Et c'est pas... Ah! C'est pas affiché parce que je l'ai désactivé, peut-être? Attendez, si je le réactive, je crois que c'était dans règlement, hein. Qualité de la cellule, ok. État de la cellule alors? Cellule occupée, cellule libre. Ah, non, ça se montre juste. Qualité des pieds. Bah, je comprends pas. 5 sur 5. Ok, donc ça, ouais, c'est 5 sur 5, ça me fait une belle jambe. Moi, c'était ça, parce qu'il y avait des niveaux pour les cellules avant, mais ça a plus l'air d'être le cas. Alors, je ne sais également pas pourquoi ça me dit à chaque fois là que aucun formateur n'est disponible. Les mecs ne peuvent pas bosser très longtemps, visiblement. Pas d'équipement. Pas d'équipement. What? Ça se tient pas à ta formation scolaire pour... Ah ouais, en plus c'est super, ça cache ce que c'est. Ça, c'est censé... Alors, attends. On est censé avoir débutant ici. Ah, c'est pas con, ça. Ici, on va mettre général, et là, on va mettre les tasers. Visiblement, il y a un tunnel là, sachant qu'ils m'en ont aussi décelé un là. Mais c'est pas toujours. Des fois, ils disent ah, il y a un tunnel, et en fait, il n'y en a pas. Donc bon. Sinon, vous avez vu que je suis très, 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 très riche. Parce que, déjà, j'ai fait beaucoup de subventions. Vous voyez que j'ai quasiment fini toutes les subventions. Et parce que j'ai beaucoup d'exportations. Parce que sinon, je suis toujours dans le négatif. Hein. Je me fais. 14, bon disons s'il y a ça, disons que je me fais 14 000 par jour et ça, la prison coûte 18 000. Donc déjà il y a une partie des ouvriers, donc une fois que les ouvriers sont plus là, ça on économisera. Ou plutôt faut pas vraiment les prendre en compte. Mais j'ai beaucoup beaucoup de staff, j'ai genre 100 de staff pour 40, 40 prisonniers, donc on n'est pas encore tout à fait bon. Mais on va faire quelques petits changements, et ça ira mieux. Mais déjà là, c'est fonctionnel. Voilà, on a des employés épuisés, mais bon. Ça va, faut peut-être faire des... Celle du personnel, on en a une autre là. Ouais, c'est vrai qu'on en a que deux petits. Ah non, on a aussi celle qui est là. Et là, on a de la bouffe aussi. Oh, bah non, ça devrait aller. Bah, faut juste aller dans les salles, les mecs, hein. Mais sinon, c'est plutôt... Ça marche plutôt bien, là. Je suis plutôt satisfait de la prison, elle tourne. Quelques petites choses qu'on n'a pas encore fait, par contre, c'est mettre des caméras dans le parloir. D'ailleurs, on n'a pas mis des... Ah, faut mettre un truc d'écoute pour le parloir. Là, visiblement, il y a un truc de conditionnel, ce qui est pas mal. Je sais pas si ça a donné quoi que ce soit. Après, de temps en temps, ça me dit, il n'y a pas de meurtre ou quoi que ce soit. Et quelqu'un me dit, enfin, il y a de la place pour un prisonnier de plus. Donc peut-être que ça marche. En tout cas, il y a des audiences de conditionnel. Hein. Il y en a 8 par jour. Mais sachant que je crois qu'il faut genre le directeur ou quelque chose. Non, je sais pas si on peut en avoir plusieurs en même temps, en fait. Je me pose la question. Du coup, sinon on est pas mal. Non, là on est pas mal. Je suis tenté de m'arrêter là. On a une prison qui est désormais fonctionnelle. Elle n'est pas parfaite, hein, loin de là. On a, mais ça marche plutôt bien pour l'instant. On va avoir peut-être qu'il est temps de mettre un autre bloc parce que je pense qu'une bonne partie du personnel sera en commun. Et du coup, ça va réduire nos coûts parce que là, on n'est pas bon. Alors, l'avantage, c'est qu'on a énormément de marge. Mais je me dis, si on refait un bloc de cellules, peut-être ici, ça pourrait être pas mal. Et puis après, on aura largement le temps de voir comment faire au sud. Mais déjà, là, on est bien. 12 demandes à la conditionnelle. Ouais, faut qu'on s'en occupe. Confinement. Nanana. Ça, je suis en train de faire je suis en train de faire celui-là. Normalement, j'ai bientôt fini les 2 jours. J'espère que ça va bientôt me tiquer pour que je puisse passer à autre chose parce que ça me coûte une blinde. Oh, quoique. 1200, sérieux? Ah oui, ça me coûte que dalle en fait, bon. Bref. Et par contre, pour l'éducation, je suis même pas sûr qu'ils aillent beaucoup en cours. Hein. Donc bon, faudra faire quelques petites vérifications là-dessus. Bref, merci à tous d'avoir suivi pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais continuer de mettre typiquement, genre. Pop. Un autre. C'est quoi? C'est voilà, un moniteur pour les caméras. Je le pose là, encore une fois, pour l'instant, ça va très clairement changer à terme. Mais là, je vais commencer à mettre d'autres caméras là pour relier les 4 qu'on a mis là, par exemple.
et avoir une meilleure vue sur l'intégralité de la prison. En tout cas, merci à tous, merci, à très bientôt. Bye bye.